Cher collègue, si je suis d'accord sur le principe et une partie du groupe LR-LMR votera cette délibération, pour ma part, je voterai contre, même si je suis d'accord qu'on a beaucoup à faire sur les économies d'énergie, sur le développement de certaines énergies renouvelables. Vous avez bien compris que le volet éolien qui reste dans ce dossier avec cette entreprise sur les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres, qui est extrêmement déjà saturé par cette énergie. Quand je regarde le rapport Aubert et la rapporteure, pourtant plutôt pro-énergie renouvelable, s'est exprimée en disant que quand les gens sauraient que l'éolien, en réalité, par rapport à la voix des industriels, est en fait une énergie qui ne servira pas à diminuer les gaz à effet de serre et que c'est un mensonge. Quand je regarde les propensions de ces industriels à vouloir enlever la forêt, notamment, comme je l'ai cité tout à l'heure, la forêt de Dordogne dans le Landais, en proposant aux sylviculteurs 15 700 euros par an et par éolienne, comprendrez bien que de temps en temps je m'inquiète, surtout quand on sait comment financer cette filière.